Hello tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo de Pokémon Snakewood. Oui, tout à l'heure j'avais dit que je ferais juste une pause, mais bon, c'est ce que j'ai fait une pause, et là on est dans la même soirée, et je rejoue Mademoiselle Def, et un nouveau personnage qui est apparu, on va lui parler. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah non, pire, voilà. Alors, tu es le nouveau animal de compagnie du professeur Birch? Quoi? Tu vas faire ses courses, n'est-ce pas? Tu dois être plutôt faible, mais je suppose que je pourrais utiliser l'expérience de te jeter de... Ouais, c'est pour ça que je me suis entraînée. C'est une méchante. Non, je vais voir ce... Ça risque d'être difficile. Parce que c'est un Pokémon ténèbres et je suis psy, je vous rappelle. Heureusement, j'ai acquéri cette attaque récemment. Qui fait rien. Bon, c'est une attaque de 15, mais j'ai eu de la chance que ça réussisse. Je suis tour rapide. Qui ne fait pas beaucoup de dégâts non plus. Pas du tout. Parce que je vous rappelle que ce Pokémon-là est ténèbre glace. Donc il a une double résistance face à moi, donc j'ai peur. Aïe aïe aïe, j'ai peur qu'elle soigne. J'ai pas envie qu'elle soigne, j'ai pas envie qu'elle soigne et qu'elle attaque. J'ai pas envie... Non, 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 non. Tu as intérêt à mourir, tu as intérêt à mourir. Allez. Meurs. Meurs, saloperie. Meurs. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Ah. C'est bon, il est crevé. Et je gagne beaucoup d'expérience. Tu as eu de la chance cette fois. Bah, tu as eu de la chance, c'est tout. Je suppose que je te dois te dire mon nom. Comme ça, tu trembleras la prochaine fois que tu l'entendras. C'est Alicia. Non, non, laisse-moi passer. Bon, l'aurait deviné, c'est pas quelqu'un de sympa. Donc, je vais aller soigner mon Pokémon quand même. Parce que c'est quand même vital, je vous rappelle. Et après, nous continuons l'aventure. Bon, je vais juste faire une petite pause, le temps de voir les Pokémon que je trouve dans la prochaine zone. Salut! Je viens de me rendre compte bêtement que je n'avais pas encore accès au Pokéball. C'est con. Bon, on va continuer. Je t'ennuie, la production. Arrête! Voilà, un gamin qui est envahi par une zombie. Donc, je vais sauvegarder et pougner sa gueule. Bon, ça va plus rapidement, c'est peut-être mieux comme ça. Bon, c'est quand même mieux, hein, rapidement. Petit bug de texture, c'est pas grave. Allez, ça va aller sans nous. Mais, ça va, c'est 20, mais ça va de dégâts, mais quand même, ça fait mal. Sachant que j'ai un Pokémon qui est plutôt défensif, vous le voyez. Mais bon, il se débrouille bien. Sol et... Si, c'est parfait. Ha ha ha, t'as un Pokémon de feu, tu vas mourir. Voilà. Je me demande s'ils ont l'intelligence de servir de potion. Ouah. Ouah. Voilà. Merci. Je serais mort en atteignant Oldale. Si tu n'étais pas là. Tenez, s'il vous plaît, prenez-les, je suis bon, maintenant que j'ai atteint la ville, il me donne les baskets. Quoi? Je pense que je me souviens de quelque chose. Mon frère? Qu'est-ce qu'il dit? Def, appuie sur B pour utiliser le basket. Quel flashback utile. Voilà, ça me permet de courir. En gros, c'est pour courir. Un zombie. Oh! Oh! Ça c'est bien fait, j'ai jamais vu ça.
Le zombie qui me court après. J'adore cette run. Avec des Pokémon zombies, tout ce qu'il y a pour le fun, c'est bien. Charge. Choc mental. T'es mort. Attends, t'es définitivement mort, là. Bon, ce qui est con, c'est que les Pokémon auront... Enfin, les dresseurs zombies auront à peu près les mêmes Pokémon, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est toujours des petites filles et des garçons. Mais ça fait du bien de voir des enfants zombies de temps en temps, parce qu'on en voit que très rarement, en fait. Ce zombie est clairement en train de manger, mais tu ne sens pas... Tu ne vois pas exactement ce qu'il mange. C'est vraiment le truc que tu peux avoir. Eh oh, je suis là, le zombie, le zonzon, je vais te tuer, je vais te tuer. Oh mon dieu. je suis tombé dessus, c'est pas grave. Ouais, je suis tombé dessus. Voilà. Bon, c'est quand même plus rapide, hein. Et vous, vu que vous n'avez pas le son de la vidéo, enfin, le son du jeu, y a pas de problème. Cœur brisé, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un truc à vendre. On sauvegarde quand même. On est à bas niveau, je sais, mais on sait jamais. Pouah. Aïe, ça se corse. Ah non! Ah, heureusement, il y a une Béoran qui me restaure un peu de la vie. Allez, prends-toi une attaque sol dans la gueule. Confusion. Bon. Arrête! Ah, au moins, il ne m'attaque pas quand même. Allez! Voilà! Et je suis au niveau 9. Voilà, j'ai mort. Bien, maintenant combattons celui-ci. Un garçon qui est mort avec son Bulbizarre. Est-ce que vous connaissez la version française de Star Wars? Je ne parle pas du film et de la chanson. Une chanson. Star Wars, version française. Vous devriez chercher Star Wars, la chanson version française. À écouter. Je vous passerai le lien. Enfin, c'est surtout, c'est de la merde, mais je vous montrerai, je vous ferai écouter. Merde, il y a pas de son Pokémon ici. C'est une vie complètement ruinée. C'est cher. Et je suis tombé sur un zombie. En courant. Et là, je suis mal. Là, je suis très mal. Là, je suis très mal. Non, 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 non. Oh, putain, non, non, non. Non, 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 je suis mal. Je suis mal. Ah, il est confusionné, c'est bien. Allez, tombe. Tombe dans les abîmes de l'oubli. Ouais. Toi aussi, tombe dans les abîmes de l'oubli. Merci. Je sauvegarde par sécurité. Parce qu'apparemment, il y aura une longue route avant de pouvoir... se soigner, donc on se soigne. Là, une maison. On va voir s'il y a des survivants dedans. Si ça se trouve, il y aura tout plein de zombies, mais je m'en fous. C'est à voir. Ah non, c'est une survivante. Ah. Cette femme semble avoir ses jambes grignotées, mais les morsures sur son corps sont encore sur la chair. Je vais looter son corps. Tu restes? Oui. Donc il semblerait que c'était un cadavre et qu'elle est morte. C'est un cadavre. Ouais, mais je parlais d'une vieille femme dans une maison à Clémentivy qui est morte. Ils ont toutes l'air de cadavres. Voilà. Ils ont les yeux fermés. Donc le seul vestige, c'est une arène.
impossible d'entrer. Les portes sont fermement fermées avec un bordel de crânes et d'autres matériels. Intéressant. Ah, c'est un kit médical. Donc je me suis soigné pour rien. Tu Dev, comment vous savez ça? Vous ressemblez à votre frère. Tu es en train de chercher? J'acquiesce. Apporteras-tu de la paix et mettras-tu la mort de retour dans leur cimetière? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je crois en toi. Ton frère et sa petite amie étaient en train de se diriger vers les bois, le bois Clémenti, quand ils sont passés à travers ici. Maintenant, please. Oh non, ils sont là! Vite! Cours! Je vais les retenir aussi longtemps que je puisse le retenir. J'ai dit courir, Dev! Ne t'inquiète pas pour moi! Ah! Et ils ont disparu. Un paquet. Voilà, la potion, je prends. Ah, tant mieux, c'est à l'infini apparemment. J'ai pillé. J'allais faire ça pour vous faire chier, pour vous ennuyer. Non, sérieusement, je vais faire pause et attendre d'avoir une trentaine de potions. Salut! J'ai dit salut! Bon, ben, je vous retrouve après avoir pillé allègrement cette maison-là de toutes ces petites potions. Elles sont à l'infini, ne vous inquiétez pas, donc voilà. Ah, il y a des survivants sur la plage. Hey! Non, ce sont mes items! Apparemment, je vais te repérer. Par cet entomaniaque, enfin ce monsieur qui semble être un survivant. Bien sûr, c'est un survivant. C'est un pilleur, celui-là, hein, je dirais. Tu me fais pas peur. Mais tant pis, j'utilise mon attaque spéciale. Voilà. Ça ne sert à rien, je te dis, j'utilise des attaques psychiques. Salut. Merci pour l'expérience. Aucun de ces systèmes volés ne peuvent me protéger. Quel monde en désordre. J'ai tout perdu. Les zombies ont mangé ma famille et détruit ma maison. J'étais petite et tout ce qui me restait m'a été volé par des cambrioleurs. Je pleure. Je suis en train d'extraire de l'eau de mer, enfin du sel de l'eau de mer. Si un zombie goûte du sel, il revient à l'état de corps. Une légende haïtienne qui dit ça. J'ai juste essayé de me demander de l'aide à Monsieur Bernet pour m'emmener à Myokara, parce que c'est une île et que les zombies ne peuvent pas traverser l'eau active, mais Monsieur Bernet a essayé de me manger. Ah ouais, c'est génial. Bon, on va éliminer ce zombie pour sauver ses innocents. Oula. Ce zombie semble malade et semble désincliné à attaquer. Peut-être que c'est l'eau de mer. Bon, je crois que ça, je vois que ça fait à peu près 15 minutes, donc je vous dis au revoir et à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!